Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je voulais vous déballer, on va faire un petit unboxing d'une guirlande d'intérieur et une guirlande d'extérieur. Elle sera donc IP68 sous la pluie, au soleil. Pourquoi je vous présente cette guirlande? C'est que cette guirlande a une particularité, il n'y a aucun besoin d'aller la connecter à un réseau Wi-Fi. Et c'est ça son avantage pour les personnes qui sont assez peu à l'aise avec les connexions Wi-Fi. Cette guirlande, tout simplement, vous allez la connecter avec sa connectique en USB-A à une powerbank par exemple. Malheureusement, le chargeur mural n'est pas livré avec cette guirlande. On aura donc une petite télécommande, ça c'est plutôt cool. Et vous allez avoir une multitude de jeux de lumière. Vraiment, cette guirlande est magnifique. Toute simple à gérer avec cette télécommande qui d'autant plus est très fine. Vous allez pouvoir gérer cette télécommande directement dans votre poche. Regardez. À l'endroit où vous allez connecter donc la prise USB, vous allez rencontrer un petit bouton poussoir qui va vous permettre en fait d'utiliser votre guirlande sans aucun problème. En appuyant sur ce bouton, vous allez donc gérer la luminosité puisque cette guirlande possède 16 millions de couleurs, ce qui est vraiment pas rien en termes de colorisation. Ici, regardez. Alors l'avantage, c'est vraiment que on peut gérer l'intégralité de cette guirlande intérieure-extérieure par le biais de cette télécommande sur le bouton poussoir qui se trouve donc à l'endroit de l'USB, donc à l'endroit où on va connecter. Voilà, ce qui va être appréciable, c'est cette télécommande qui est livrée avec cette guirlande. On aura la possibilité donc de régler un temps prédéfini, 30 minutes jusqu'à 120 minutes. On pourra, si on le désire, appuyer sur certains boutons pour que la guirlande clignote au son de la voix des personnes ou de la musique. Cette télécommande est très bien fournie, très bien faite en termes de boutons. Les boutons sont très bien rebondis. On a des possibilités donc d'allumer ou d'éteindre notre guirlande et d'augmenter le taux de luminosité. Une télécommande avec un fond noir et les boutons sont colorisés. Ça peut vraiment très bien convenir à une personne malvoyante pour avoir de très bons repères. On pourra donc l'utiliser d'ailleurs avec une power bank, avec une batterie externe, ce qui est vraiment appréciable, ce qui fera que vous allez pouvoir emmener, transporter votre guirlande là où vous le désirez, dans des endroits de fête par exemple, dans des jardins, à l'extérieur lorsque vous êtes à un endroit plus éloigné et que vous n'avez pas de possibilité donc de connecter une prise murale. Alors on est vraiment sur un bel objet puisque avec cette guirlande vous allez pouvoir décorer par exemple votre intérieur. Ici je l'ai mise donc dans la montée d'escalier et ça fait vraiment super sympa au niveau de la rampe d'escalier. Et pourquoi je vous présente d'ailleurs cette guirlande, c'est que par rapport à son coût, moins de 24 €, complètement accessible pour les réfractaires au Wi-Fi, vous avez une guirlande complètement accessible avec sa télécommande. Et ça c'est vraiment un des gros plus puisque avec cette télécommande vous allez pouvoir donc gérer la luminosité, les couleurs de votre guirlande aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et vous allez même pouvoir mettre de la musique et la guirlande fonctionnera au rythme de la musique. D'ailleurs je vais vous mettre tout de suite la guirlande en mode rythme musical et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors bien sûr, je vous mettrai donc tous les liens en description puisque cette guirlande pour moins de 25 €, je la trouve vraiment très intéressante. Elle peut améliorer votre intérieur, elle peut améliorer votre extérieur. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à partager. Ça permet de mieux référencer la chaîne. Je compte sur vous puisque c'est très important pour le référencement. Merci à vous d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous bien sûr.